aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire. Je vais essayer de deviner qui ou lequel est le plus cher. Donc je vous explique, c'est un concept qui existe depuis longtemps sur YouTube. J'ai demandé à Jérémy de m'acheter les petits trucs, donc je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il a acheté. Je l'ai laissé gérer à 100%. Je lui ai donné aucune directive, je sais juste qu'il y a 10 trucs normalement. Je ne suis absolument pas au courant ni des marques ni de qui est qui, et moi je dois deviner lequel est le plus cher. Voilà, Jérémy, je ne veux rien savoir. J'ai pris des trucs un peu tricky, tu vois. Me dis rien. Genre des trucs qu'on n'est pas sûr. Me dis rien. Sucré, salé. J'ai trop faim là. Non, j'ai trop faim. Il faut que je mange, je vais crever. Salé, please. Bon, vas-y, on commence par des petits trucs tranquilles. Alors attends, c'est ça ma question. Est-ce que on se dit les marques avant? Mais je crois pas. Tu me dis pas. Si, si, il faut que je te dise les prix. Ok, ouais, dis-moi les prix. Mais par contre, je t'ai dit tous les prix. Alors j'ai tout pris au kilo, parce que sinon ça veut rien dire. C'est bon? Ouais. Ah, des chiffres, je suis contente, j'ai faim. T'en as un à 21,50€ du kilo. Ouais. Et un autre à 4,95€ du kilo. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est bon les chips. C'est dur. Non mais attends, c'est super dur. Les deux sont, c'est trop bon. En gros, celles-ci, elles sont 10 fois plus belles que celles-ci, je trouve. Celles-ci, elles sont plus droites. Celles-ci, elles sont plus en bordel. Je vais regoûter. Quoi? On le voit dans le cadeau. Non, il est derrière moi. Tu vois ce que je... C'est absolument impossible. Ça rend fou. Faut qu'au moins que tu me dises tes préférées des deux. J'ai l'impression que celles-ci elles sont meilleures. J'ai l'impression que celles-ci elles sont plus belles. Celles-ci elles sont plus grasses. Je trouve que celles-ci je les aime bien parce qu'elles sont, elles sont plus salées celles-ci, donc je l'aime bien quand c'est bien salé. Mais celles-ci elles sont plus belles et moins grasses, donc je me dis que c'est plus cher. Est-ce que c'est celle-là? Tu veux que je te dise? Ouais. Du coup, celles-ci elles sont à 4,95€. Donc celle-là c'est, ouais. celle-là c'est les moins chères. Ouais. Et les autres elles sont à 22€ du kilo. Celles-là? Ouais. Elles sont belles sur le live. Mais grand malade! C'est bon? Oui. Ça va être trop dur. Qu'avons-nous là? De la limonade. La limonade. Du coup, t'as une limonade à 4,20€ du litre et l'autre à 67 centimes du litre. Pas le même tarif. Il y en a une qui pétille plus. Là, là, ça pétille beaucoup plus que là. Elle pétille 100 fois plus celle-là. Je sais pas ce que c'est une qualité d'une limonade, genre. Est-ce qu'elle est censée pétiller beaucoup ou au contraire être un petit peu plus douce? Je sais pas. Il y a une différence, hein. Il y a vraiment une différence. Celle-là, elle pétille plus. Celle-ci, elle est plus citronnée, mais j'aurais tendance à dire citronnée un peu plus chimique, mais je suis pas sûre. C'est tellement dur. Je sais pas si je suis très forte à ça. Celle-ci, c'est la plus chère. Non. Ah, oh, c'est vrai? Ouais. Putain, j'ai pas envie d'être nulle à ce jeu. Tu vas voir, on voit pas de diff. Enfin, si, il y a une diff, mais c'est dur de savoir qui est plus cher. Si. Mais parce que tu sais. Ouais, je sais. Oui, c'est vrai. Ouais, j'avoue. Continue sur ta lancée. J'ai faim. J'ai faim. Miso, j'ai faim. Ok, c'est de l'emmental, c'est du comté, c'est de l'emmental. Comté. Il y en a un à 12€ du kilo. Ouais. Et un autre à 33€ du kilo. Ok, je sais déjà, je pense. Ok, je goûte d'abord le moins cher. 100 aucune étagion, lui c'est le plus cher. Ouais, mais c'était. J'ai vu leur tête déballer. Mais genre, j'ai vraiment pris le plus cher du. Je suis allé voir la fromagère, je lui ai demandé le compte le plus cher. On a regardé, genre tout. Il y en a beaucoup, comme ça je prends à manger. En fait, ça se voyait parce que lui, il est genre, vous voyez, tout brillant, en mode compte est pas cher. Et lui, il est tout sec, tout mat. Ça se voit qu'il est vieux. Ouais, il y en a un, c'est un 36 mois. Ça se voit qu'il a 36 mois. J'ai gagné 1 point sur 3 pour l'instant. Ok, c'est bon. Oh. Alors, t'en as un à 27,50€ du kilo et un à 140€ du kilo. Arrête, t'en as acheté beaucoup avec mon argent. Ah oui, en plus, je vois cette tête, ça veut dire oui. Alors, t'as acheté tout ce que j'aime. C'est trop bon, j'avoue. Comment il est gras celui-là? Je sais direct, sans hésiter, celui-là le plus cher. Ouais. Il est trop trop bon. Ça se voit parce que j'ai toujours acheté celui-là, donc je le connais par cœur. Et lui, il est genre, c'est un truc de riche, ça se voit, il brille trop. On passe aux choses plus difficiles. Ah ouais? Ouais. Ok. C'est bon. Oh là là, ça va être tellement dur. Ça, c'est trop dur. Dis-moi. Dis-moi tout. Il y en a un à 6,36€ du litre. Ouais. Et un à 34€ du litre. Dans quel état je vais finir après cette vidéo? Je sais, parce qu'en fait il y en a un qui est dégueulasse. Ah ouais? Vraiment dégueulasse, c'est lui. C'est le plus cher. Arrête. Je vais prouver. Ok, sans le, bois le, tout, il est dégueulasse. Je trouve, hein. Il est fort. Pour moi c'est impossible de dire. Ah, mais celui-là il a un goût bizarre. Et surtout, il est... Peut-être il est bouchonné, mais je pense pas, hein. Pardon. Next. Ah mais tu me préviens pas!
Alors juste, je les ai retournés, faut pas que tu les retournes, tu les manges, enfin faut pas que tu les regardes avant ma gestion. Hein, je peux les regarder quand même? Ouais. Juste, tu vois, ils sont à l'envers en fait. Ah, faut que je les mange comme ça. Voilà. Ok. Donne-moi les prix. T'en as un à 54€ et un à 5,97€. Arrête. 5. Ouais. C'est du chocolat au lait? Ouais, les deux cas, c'est du chocolat au lait. C'est trop bon. Les deux sont trop bons. Lui, il est plus chocolaté, plus concentré. Lui, c'est le plus cher. Oui? Oui. Très contente, je te bats. Je trouve que celui le plus cher, ça se voit parce que genre il s'effrite un peu, enfin tu sais genre il est un peu épais. Alors que lui ça se voit que c'est plus une tablette genre basique. Il y a 10 fois le prix hein. 10 fois plus cher celui-là. 10 fois plus cher. Ok. C'est de l'eau. Dernière boisson. Alors là c'est la double du siècle. Donc on a une à 23 centimes du litre et une à 6,23€. Celle-là elle est plus claire déjà. Ou alors c'est mon verre. C'est... Ouais le verre je pense. Ça ne sert absolument rien. Ça peut être impossible, je vais forcément perdre. Il y a une diff mais je sais pas ce que c'est. Comment voulez-vous que je sache? C'est impossible. Elle a un goût spécial. Et c'est absolument impossible de savoir. Genre t'as acheté une bouteille de combien? J'ai acheté une bouteille d'un litre 50 qui coûte 5€ et l'autre qui coûte 30 centilitres. 5€ le 1 litre 50? Ouais, 1 litre 5? Non, 5€ les 80 centilitres. Et 35 centimes les 1 litre 5. Tu dépenses ton argent comme si c'était limité. J'ai une question. Pourquoi c'est si cher? Il y a peut-être des apports nutritifs? Ah non, rien, c'est de l'eau. Je dirais... Ah, celle-là, il y a des micro-bulles. Et là, il n'y en a pas. En vrai, celle-là, elle a un goût. Mais le problème, c'est que je connais pas la marque de la moins chère. Donc, si ça se trouve, cette marque-là, elle a un goût. Donc, c'est dur. Celle-là, elle a vraiment aucun goût. Je sais pas. Bon, je veux dire que celle-là, c'est la plus chère. Yes. C'est vrai? Ouais. Ah, elle a un goût. Goûte, elle a un goût. Tu payes les frais de transport. Non, j'avoue un peu. Il y a un petit goût. Là, il y a aucun goût. Genre. Je suis choquée. 5€ l'eau. On nous prend vraiment pour des idiots. En revanche, je t'explique. Je vais tout boire. Ça arrive. C'est bon. Ok, des cookies. Il est plein mon frère, c'est une chips, un frisbee. Alors. Les deux ont l'air trop bons. C'est bon. Alors, t'es en train de manger tout le jambon là? Non, tout le fromage. Oh. Il y en a un à 8,97€ du kilo et l'autre à 27€. Mmh, cette odeur. Celui-là, ils ont l'air très fancy. Mais ça, oh mon dieu l'odeur. Mmh. C'est vraiment une chips, lui rien à voir. Il est bon? Tu sais, c'est un goût d'un truc. Attends, comment ça s'appelle les palmiers là? C'est un goût de palmier? Il y a un goût de palmier dedans. Mais ça, genre pour moi, c'est pas un cookie, c'est un gâteau. Je suis partagée. Pour moi, celui-là c'est le plus cher. Je pense que c'est le plus cher parce qu'il y a que les trucs chers pour être bizarre. Genre, c'est une chips donc voilà. Et il y a un goût particulier, genre tu. Même à l'odeur, tu sens que c'est de la qualité. Si c'est pas ça, c'est ridicule. Mais en même temps, lui, il est super bon. Genre, il y a un arrière-goût de vanille et tout. Mais en même temps, on dirait un cookie de grande surface quoi. Donc je vais rester sur mes premiers trucs, mais j'ai un petit doute parce qu'il est vraiment trop bon. Lui, c'est le plus cher. Ouais. Ah. Je pensais pas qu'il allait être plat comme ça. T'as vu comment c'est chips? Trop le seum parce que je l'ai pris en me disant ils vont avoir la même couleur, à peu près la même. Je pensais qu'ils allaient être pareils. C'est bon quand même. Mais il est trop bon. C'est bon. La mousse au chocolat. Alors, nous avons deux mousses. Je t'ai dit les prix. Ouais. Oui. Ça se voit qu'il y en a une, genre la laitière, un truc comme ça. Il y en a une à 7€ et l'autre à 25€. Deuxième mousse. Elles sont genre, il y a le jour et la nuit. Je sais pas qui est le jour, qui est la nuit, mais rien à voir. Les deux, le goût. Mais laquelle est meilleure? Bah, j'arrive pas à savoir. En fait, elles sont tellement différentes. Il y en a tellement partout, il y a été édenté. Celle-ci, elle est plus douce, plus au lait, genre. Et beaucoup plus onctueuse. Ça va tellement me tuer l'estomac de manger tout ça. Déjà là, j'ai envie de vomir. Celle-ci, elle a moins de goût. Elle est plus épaisse. À la tête, je dirais que la plus foncée, celle-ci. C'est la plus chère parce que, bah, elle fait plus quali, genre. Et celle-ci, genre, il y a des trucs mélangés. Je sais pas. Elle est plus. Je sais pas. Mais en même temps, là, à la texture, en vrai, celle-là, elle est plus crémeuse. Ok. Celle-là, c'est la plus chère. Yes. C'est vrai? Ouais, ouais. Oh, mais je suis trop forte. Et celle-là, c'est la laitière de base, de base, de base. Celle-là? Et vous, quand elle est bonne, celle-là. Comment des madriglettes, je te montre un haut HLM et un haut Sandro, et genre après, tu me dis, ouais, il est plus beau. Ok, je valide. Tu vas tout manger, hein, parce que moi, j'en veux plus. Waouh, mais t'as foutu un spoon dans ma cuisine! J'avais pas vu tout ça. Tu peux me donner l'eau à 5 balles, s'il te plaît? De l'eau qui coûte cher. C'est vrai qu'elle est bonne, c'est tout, quand même. C'est quoi ce truc? De la pâte à tartiner. Oh. J'avoue, je pensais pas qu'elle allait être aussi bizarre. Je vous montre. Y'a pas de Nutella? Non, non, bah non. Parce que c'était pas ni moins cher ni plus cher. Une comme ça. Et une. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait du charbon. Mais c'est pas de la pâte à tartiner, c'est pas possible. Yeah.
C'est tellement bon. C'est tellement bon. C'est mieux que le Nutella. C'est différent. Franchement, le Nutella, je trouve. Enfin, le goût, il est trop spécial. Tu sais qu'il y a grave un débat des gens qui genre, aiment trop le Nutella et d'autres qui disent que genre il y a des trucs meilleurs que genre de la pâte tartinée ultra quali, bio et tout, c'est meilleur. Moi, je trouve qu'en vrai, le Nutella, c'est meilleur. Toi aussi. Ouais. Mais un jour, ma mère, elle m'a acheté une pâte à tartiner bio et elle m'avait dit, je te l'achète une seule fois. Genre, elle coûtait super cher et vraiment, c'est la meilleure chose que j'ai jamais mangée de ma vie, je crois. Sérieusement, je dis ça pour un peu tout, mais. C'est pas grave. Il y avait genre des morceaux à l'intérieur. Enfin, un truc de malade. Et vraiment, si un jour j'arrive à retrouver cette pâte à tartiner, je vous la partagerai. On fera un concours. Parce que vraiment, elle était incroyable. Faudrait peut-être que je goûte. Mais c'est quoi ça? On dirait un gâteau au chocolat qui a ni cuit, ni pas cuit. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est dégueulasse! C'est horrible! Goûte. Attends, goûte celle-là d'abord. Non, d'abord l'autre. Non. Comme ça, tu vois à quoi ça ressemble une pâte à tartiner normale. Et goûte ça. Comment c'est dégueulasse à côté. T'as vu comment c'est dégueulasse? Dégueulasse. Et c'est la plus chère en plus. Ouais, c'est la plus chère. Ah, j'ai tes yeux. T'as vu comment c'est dégueulasse? Ouais. Ça se voit parce qu'elle est trop spéciale. Genre, tu. Enfin, ouais, c'était malade de faire ça. T'imagines, tu te dis, bah, j'achète une trop bonne pâte à tartiner qui coûte 20 euros. Mais qu'est-ce qu'on va foutre de ça? Et voilà. C'est fini. Bon, on a terminé. Tu veux venir avec moi pour faire. Il est en train de tout manger, hein, vous voyez pas là. Prends pas. Tu viens avec moi pour faire le trou ou pas? Ta vidéo tourne trop. Écoute, en vrai t'as géré. Parce que c'est des bons choix. Ça change de tout ce qui a déjà été fait, je trouve. Ça nous prouve que c'est pas toujours les meilleurs, les trucs chers. D'ailleurs, les seuls trucs vraiment trop bons. Genre les chips par exemple. Dégueulasse. Toi, tu fais toujours que t'as vu dégueulasse. Bah franchement, là pour aller leur remanger. Elles sont. Pour remanger, vas-y, je vais pas t'écouter. Les cookies, c'est pareil. Le seul truc, c'est genre le jambon, mais logique. Le jambon et le comté. C'est le seul truc. Ah putain, j'ai combien? J'ai gagné. Bah oui, largement. Avec le à 5 euros. Je bois mon compte en banque. Très bonne vidéo. Moi, j'ai grave aimé. En vrai, ça change des vidéos. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si jamais c'est pas déjà fait, je poste 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Je suis active un petit peu tous les jours et j'essaie de répondre à un maximum de vos messages. En plus. On est bientôt 200 000 sur YouTube. Et je vous réserve une petite surprise pour fêter ça. Et on a les vlogmas qui arrivent en décembre. Donc il y a plein de petits trucs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.